tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous parle de la reine de Caracas, donc une petite nouvelle qui fait suite à la sélection, hein. Moi, j'avais adoré cette trilogie, ce qui est très rare quand j'aime une saga, hein. Mais une saga autour de l'amour et des belles robes, des princesses, des princes, chez moi, ça le fait, hein, ce genre de truc. Donc voilà, cette histoire, c'est sur la reine Aberlie. Comment s'est passée la sélection pour elle? Comment elle est arrivée à se mettre avec le prince Clarkson, futur roi? J'ai beaucoup aimé moi cette histoire parce que quand vous arrivez à la fin sur la chute de pourquoi il l'a choisie, moi j'étais quand même un peu sceptique. Hein. Moi c'est le genre de truc que je ne ferais pas. Changer pour plaire à quelqu'un, je ne le fais pas. Mais voilà, moi ça m'a fait sourire. Donc voilà, lisez-la, vous allez comprendre pourquoi, qu'est-ce qu'elle fait. Vous n'allez même pas vous rendre compte. Qu'elle fait tout ça et que lui, il n'y a que ça qui l'intéresse. J'ai trouvé ça vraiment bien. Alors aussi, on a un petit aperçu du futur prochain tome qui va suivre de la sélection. Parce qu'à un moment dans l'histoire, on vous dit que bah, si elle accouche d'une petite fille, elle ne pourra pas être héritière. C'est d'office un garçon. Et voilà, vous faites suite justement au prochain tome qui est l'héritière, enfin sur le livre Addix. C'est traduit l'héritière, mais apparemment, ces deux jumeaux, je ne sais pas comment ils vont le traduire, mais voilà, la couverture est magnifique. C'est une fille, donc pour moi, ça doit être l'héritière traduit. Je ne sais pas encore comment ils vont faire, mais voilà, j'ai quand même très très hâte de lire la suite, même si c'est vrai qu'on y réfléchit, c'est encore une saga rallonge. Mais moi, j'aime bien. Voilà, des princesses, des princes, des belles robes, de l'amour, bah. Voilà, mon petit cœur s'emballe, donc j'ai très très hâte. Donc franchement, je vous la conseille si vous avez adoré la sélection, parce que je trouve que cette nouvelle-là est beaucoup plus intéressante que les nouvelles qui sont sorties sur Le Prince et le Garde. Voilà. Franchement, à choisir sur les trois, c'est celle que j'ai préférée. Donc pour une fois que je lis une nouvelle hein, que j'aime, je sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, ça ne marche pas. Donc voilà, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Salut! Non, on va recommencer. C'est mieux. Non, oui. Marine, regarde, les dinosaures! Ça doit tourner, ça doit chicoter. Alors.